Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau live sur The Last Spell. La musique est peut-être un peu forte d'ailleurs, j'ai l'impression. Salut Ardarine, j'espère que tu vas bien. Je vais baisser un petit peu le volume. Tac. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est encore un petit peu fort? Peut-être un petit peu encore. Hop là. Alors c'est vrai que quand il y a la piste rock qui démarre là, ça pète un peu. Du coup, on va jouer sur le DLC de The Last Spell qui est sorti cette semaine, Dwarves on Runenberg. Donc j'ai fait une petite vidéo de présentation déjà des nouveautés, donc on va pas forcément s'attarder dessus, sauf si vous avez des questions en live, n'hésitez pas. Et si vous regardez ça en VOD, eh ben, je mettrai le lien de la présentation avec les chapitres et tout en description. Là, on va essayer donc de s'attaquer plutôt directement à la nouvelle ville. Un peu plus sérieusement que ce que j'avais fait pendant la petite présentation, où j'avais été un petit peu à la fraîche. Donc, on peut choisir les armes. Ouais, nous, on va prendre toutes les armes qu'on a débloquées. On se met pas de limite pour le moment. On va partir à Runenberg. On va choisir nos présages, par contre. Alors, le présage de l'ingénieur, pas mal pour un truc de nain. Plus de mana, ça me va bien. La patience, c'est pas mal. Plus un de mouvement. Est-ce que j'ai débloqué d'autres trucs déjà? Non, j'ai pas débloqué d'autres trucs. Alors, on a le saut de mouton, mais le problème, c'est que comme on aura des nains, ils profitent pas de saut de mouton. Donc, en vrai, ça leur améliore leur compétence de jeter de nains. Mais c'est quand même un peu dommage. La patience est quand même vraiment sympathique. Les pièges efficaces, ouais. L'essence impure, est-ce qu'on a mieux éventuellement que l'essence impure? Là, la brume reste plus loin. Ouais, on pourrait prendre plus de vie, plus de mana. Plus de critique. La précision qui est quand même vraiment bien. On n'a pas d'autres trucs à deux en fait. Donc on va garder le 30% d'essence impure pour pouvoir continuer de blinder. On y va en normal, hein. Je n'ai pas encore le niveau pour plus de toute façon. Tic. 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 Alors, voyons voir. On a l'air d'avoir un, si ce n'est deux nains. Donc, notre petite ville, ça va arriver direct par là. Ok, c'est pas trop mal pour une première attaque, il y a pas mal d'obstacles. L'aide des pierres runiques. Donc elles vont se charger au début de la nuit, pour le moment on sait pas ce qu'elles font encore. Mais sur ce côté-là, les pierres runiques sont relativement mal placées, sauf si ça arrive vraiment par ici ou vraiment par là. Déjà là, on perd pas mal de cases, à cause des rochers autour. Mais ici, j'ai remarqué que sur cette map, assez souvent les ennemis arrivent en masse par là, et sauf que du coup, au lieu d'aller par ici, bah, ils font le tour par là. Parce que c'est plus rapide pour eux. Ce qui veut dire que si on s'attend à défendre que ici, on peut se retrouver un petit peu dans le mal. Par contre là, on a un bel endroit où mettre plein de balistes. Ça c'est plutôt cool. Voyons voir ce qu'on a. Alors, je vais essayer de jouer assez peu avec les raccourcis clavier, je préviens tout de suite, parce qu'on m'avait fait la remarque dans mes précédents épisodes de The Last Spell, notamment d'ailleurs, qu'en utilisant les raccourcis clavier, on voyait pas vraiment ce que je faisais en fait. C'est pas visuel, donc je vais essayer d'aller cliquer, etc. On va regarder du coup nos personnages. Alors ici, on a une herboriste, hein, moins de dégâts physiques, ok, plus de régène. Pas d'isolation et un petit peu de tous les dégâts. Ok, donc plutôt magie et distance, même si elle a une bonne régène de PV. Et salut Xebus, bienvenue sur le live. À chacun son tour de souffrir, exactement. Alors je sais pas si t'as regardé du coup la vidéo de présentation Xebus, mais voilà la nouvelle ville du DLC. Je sais plus si tu m'as mis un commentaire dessus. J'ai un doute. Je doute. Tu me diras. J'ai dit que je cliquais, voilà, je clique. Oui, tu as regardé, oui, je crois que tu m'as mis un commentaire dessus. Donc ça, c'est un humain, enfin une humaine en l'occurrence. De base, elle a une arbalète, pas trop mal. Un casque, 3% de dégâts physiques, ça on va lui virer du coup. Là, une armure moyenne, un pantalon usé et le parchemin de jet de flamme. Pareil, qui est de la mêlée, donc on va probablement lui refaire son équipement. Elle, peut-être lui laisser l'arbalète parce qu'elle a quand même
plutôt des bonus de distance, mais le physique, ça va pas être son délire. Hein. Ni l'isolation, d'ailleurs. Mais un petit multi-coup. Dans les talents, qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle a la zone de poison et le truc de statue qui est pas mal. Ah, elle a les deux... Ouais, non, ça va être une magicienne, elle. On va la mettre en magicienne, je pense. Hein. Poison avec de la propagation, là. Enfin, après, il y a quelques bonnes armes qui font de la propagation, mais pas trop à distance. Plutôt magie ou mêlée. Et salut Alastre, hein, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Elle a un petit canon de verre, en plus, qui va aller très bien avec sa régène de PV. Et... La visée stable. Ouais, on va... Elle a la moisson aussi. Ouais, on va en faire une magicienne, je pense, plutôt. Bon, voyons ce qu'on a d'autre. Ah, ça, c'est un humain. Alors, un humain de type médium. Plus de critique et de fiabilité, mais il fait moins mal quand il critique. Ok, pourquoi pas. Le sand troll. Est-ce que je peux expliquer un peu le jeu pour le boulet qui ne connaît pas? Ah oui, si tu connais pas du tout, bah écoute, on va expliquer. Et salut Squash Belge, bienvenue sur le live. Et là, un petit peu de dégâts de poison. Alors, en très très vite, tu verras un peu quand on jouera à l'ast, mais le jeu consiste à défendre... le cercle de magie qui est au centre pendant un certain nombre de jours, donc ça dépend des maps, si on est, il va falloir défendre 8 jours. Et en gros, le jeu se joue par phase. On a une phase de journée où on va pouvoir gérer notre camp, construire des choses, améliorer nos bâtiments, recruter du monde, etc. Et la nuit, il va y avoir des assauts, donc là tu vois par exemple sur ce côté-là. Plus les nuits passent, plus les assauts sont violents et nombreux, bien sûr. Et des créatures vont sortir de la brume et essayer d'atteindre notre cercle. Notre objectif, c'est d'empêcher qu'ils atteignent le cercle d'Eren, déjà, et d'essayer de faire en sorte surtout qu'elles restent dehors. Parce qu'en fait, si elles rentrent dans la zone du bastion, tu vois, ici on a la zone du bastion, ici on a la zone de plaine, dès qu'il y a des créatures dans la zone de bastion, ça fait monter la panique des habitants, et plus on termine une nuit avec une panique élevée, moins on a de bonus pour la fois d'après. Donc tu verras un peu comment ça se passe, les combats en tour par tour, le tour des héros, le tour des monstres, etc., les défenses et compagnie au fur et à mesure. Mais pour le moment, ça donne une petite idée, on va dire, du départ. Et là, on commence juste, hein, donc c'est pour ça, tu vas voir, on va pouvoir creuser. On était en train de regarder nos personnages. Donc lui, c'est un peu dommage, le malus de mana, mais il est acceptable. Le 15 de poison donne envie de faire du poison. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour du poison? Ah, il a pas du tout ce qu'il faut pour du poison. Il a la visée stable aussi, la croissance de mana. Quelle bande de chochottes ses habitants, il panique pour rien. Bah, tu verras, la tronche des créatures... Ça donne quand même envie de paniquer, quoi. Il a le canon de verre. Expert en critique, un par un. Lui, ça pourrait être notre tireur. Tant pis, on laisse tomber le 15 de poison. Enfin, ça pourra toujours servir avec certaines armes. Je pense qu'on va prendre son bâton druidique et le filer à l'autre qui est magicienne. Il a eu quoi comme stuff? De la précision de la régène de vie. Waouh, oui, 63 de régène de vie. Ici, il a un PA de plus. Mais du coup, moins d'XP. Il a eu plus d'XP. Ok, pas mal. Très très bien, bon. Et en potion, une potion de force qui augmente ses dégâts, pourquoi pas. Et Runper, c'est un nain. Alors le nain, 8 de garde, 10 de régène quotidienne, moins 2 de mouvement, et on peut le jeter. Littéralement le jeter. Qu'est-ce qu'il fait de beau? Chasseur de primes, plus de mouvement, isolation, ok. Plus de dégâts magiques, ah. Et moins 15 de dégâts reçus. Ah, ils vont pas être faciles à gérer ces persos là. Et il a quoi? Le parchemin de missile magique. Commence avec une masse rouillée, pourquoi pas. Ça a une poursuite, la masse rouillée. Ouais. C'est à une main, non, c'est à deux mains et les compétences ne coûtent qu'un point d'action. Ça, c'est plutôt cool. L'écrasement outrancier qui fait de l'un peu de propagation. Et le fracassement au sol. Ok. Pas mal. 4% de critique. De la puissance critique, de la précision. De la garde et une armure qui donne pas mal d'armure, de fait. Qu'est-ce qu'il a de beau? Tri sélectif, protection des arrières, ouais, lui ça va être un tank plutôt honnête. Quand une potion est utilisée, restaure 2 de mouvement. Et salut Zikino, bienvenue sur le live. J'ai pas retenté encore à l'astre le challenge, enfin j'ai fait quelques parties de 10-20 minutes juste pour tester un peu des théories craft, mais pas plus. Donc là, on a une ligne spéciale nain. Quand on touche au moins 5 ennemis avec une attaque, on restaure du mouvement, on gagne des dégâts, ok. Plus 2 points d'action, mais on peut plus mettre d'armure de torse. J'aime beaucoup cette compétence.
admirer ses muscles. Le tunnel de secours qui permet de se replier. Ah, t'as fini par mourir, Squash. Merde. 188, c'est pas mal. Pendant la crise, du coup, ou pas? Et le cri de guerre. Tous les 20 d'armure ou de vie manquant, on donne des boosts. Ok, est-ce qu'on a la garde? Attends, on n'a pas l'exécution. Est-ce qu'on en a qui ont l'exécution? Non, il n'y en a aucun qui a l'exécution. Ok, c'est dommage. Par contre, on a le bodybuilder qui est pas mal. Le vampire qui est pas dégueulasse. On n'a pas le truc qui fait des dégâts sur la garde, la protection épineuse. Attaque frontale. Ouais, il est quand même. Il va faire un bon tank quand même. T'as même pas eu la crise, la vache. 188, t'as pas eu la crise, Squash. Alors, à l'astre, le classement, on n'a pas vraiment de classement officiel, mais c'est sur le Discord de Xebus, on suit un peu le truc. Pour le moment, c'est clairement Squash qui est devant. Hein. 188 jours, je pense que le record derrière, ça doit être 12 ou 15. Donc, bon. En plus, on va pouvoir lui prendre ça. Plus de précision et plus de stabilité, de fiabilité. Alors, il a déjà un boost de fiabilité ou c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Mais enfin, ça fera toujours plaisir. Ouais, lui, ça va être un tank très très honnête, je pense. Il va falloir qu'on change un peu les équipements, par contre. Donc ça, du coup, du critique, on va te l'enlever. La puissance critique, on va te l'enlever. La précision, au moins, elle fait un peu chier quand même. Mais on va voir comment on gère ça. Toi, les dégâts physiques, tu vas les donner au nain. Plus ça lui donne de la résistance. De la vie, de la résistance, pourquoi pas. Moins un de mouvement. Donc toi, tu vas donner ton arbalète aussi. Et le parchemin, on va le donner à lui. Toi, tu vas prendre ça. Je peux renommer, oui. Je vais te donner le nain, pas de souci. Aucun problème. On peut même carrément tout customiser. On peut faire des nains féminins, si on veut. On va juste renommer pour le moment Alastre. Alastre le nain. Le dernier perso, lui, ça va être notre critiqueur, hein, plutôt. Ouais, c'est ça. Et notre tireur également. Rends le bâton. Toi, prends le bâton. J'irai voir du coup Squash. Alors, toi, t'as le PA en plus. Est-ce que ça vaut le coup? Tu peux utiliser 4 fois par tour, ça quand même, hein. Donc on va faire au moins 6 attaques par tour, et après ce serait de la magie. Si on voulait utiliser nos 7 points d'action. Ouais, pourquoi pas. Et on trinque pour Squash, hein, trinquons pour Squash. Alors il a déjà un très honnête 20% de critique. Hein. On va te donner ça en plus, voilà, 24. Et on te donne ça à la... Ouais, à la place du PA en plus. On va donner le PA en plus à quelqu'un qui ça servira plus. Comme ça, on compense ta puissance critique déjà. Pour noyer ta tristesse sur bébé, je comprends. 10 de vie, de la précision, de la régène de vie, ça me va bien. On va remonter un peu en précision là. Compenser ses grèves lourdes. Là, on lui donne 35 d'armure avec ça. Le PA en plus, est-ce que c'est utile? Là, tu peux utiliser 3 fois, 2 fois, donc 5, et après c'est pareil, c'est de la magie. Au début, le PA en plus va pas être forcément oufissime, surtout avec le 15 de malus. Toi, tu peux faire ça 4 fois, et après c'est que de la magie. Donc de toute façon, on va faire sans doute 2 piqûres. Peut-être pas au début, mais... Donc on va mettre ça de côté pour quand on aura gagné quelques niveaux. Quand on aura d'autres trucs intéressants. Pour pas se mettre de malus, et le PA est hyper fort. Hein. Mais surtout avec la concentration qui permet en plus de gagner du PA derrière. Mais pour l'instant, c'est pas hyper ouf au départ. Ça va plus nous embêter, vu qu'on va pas pouvoir l'utiliser. Oh, je pense qu'on est pas mal là, pour commencer. Donc du coup, première nuit, on peut rien faire d'autre que gérer notre équipement et placer nos personnages. On n'a pas de phase de jour. Donc... Alors, Alastre. Alastre est notre tank. Tu vas te planquer derrière la statue. On verra si ça pop tout là-bas, bah on ira. Toi, tu vas te mettre ici. Et
toi, tu vas te mettre ici. Et attends, pourquoi t'es pas planqué derrière un statut, toi? J'ai mis ce clic, voilà. Toi, tu viens là. Parfait. Voyons voir. Donc c'est parti, nos petits trucs s'activent, on a tiré que des flammes, et ils arrivent bien en face en plus. Bon, éventuellement, si jamais c'est la merde, on sait qu'on peut faire péter celle-là. Alors les pierres runiques ne font pas de dégâts aux héros. Hein. Est-ce que c'est précisé d'ailleurs? Les runes ne sont efficaces que contre les monstres, c'est ça. Ils font pas de dégâts aux héros, donc ça c'est plutôt cool. Donc on peut aller les taper avec du corps à corps si on veut. Bon, on a peut-être pas tout de suite intérêt à cramer de la magie. Toi, t'as poursuite, donc si tu tues un ennemi, ça te téléporte dessus, on est d'accord. Mais c'est trop faible pour tuer. Voilà, maintenant qu'on est là, on peut mettre un petit coup de marteau. T'étais censé stun les gens autour, là? Ah oui, il y a 30%, ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Pas grave, on va cogner. Et comme prévu, il nous manque un point, donc on va mettre un petit coup et on va reculer. Alors du coup, toi. T'as pas la ligne de vue? Ah oui, il y a le rocher. Il y a du monde au portillon. Non, ça va là, franchement, c'est gentil, elle. On va essayer de tuer celui-là, vu qu'on passe en dessous son armure, parfait. Et il nous reste toi. La première nuit, normalement, devrait se passer relativement bien. Là, on va se rapprocher un peu. On peut leur mettre un petit malus. Allez, c'est parti. Ah, ça coûte de la magie. Ouais, c'est pas forcément pertinent. Passons le tour. J'ai le présage qui permet de garder pour le tour d'après un point d'action et deux points de mouvement, si jamais. Ça peut être utile. Alors là, vous voyez, je peux jeter le nain, si je veux. En échange de 5 PV. Pas forcément utile non plus pour le moment, on va éviter de cramer des PV là-dessus. Alors est-ce qu'on a des gens avec armure sur qui on pourrait mettre du poison? Pas trop. On va éliminer ceux qui sont un peu loin, on profite qu'ils ont pas trop d'esquive pour le moment. Et endommage-nous un petit peu ceux qui sont devant, comme ça derrière on peut aller se pointer. On va faire un petit écrasement outrancier pour le plaisir. Voilà. Excellent. Par contre le stun c'est vraiment pas ça. Hein. On a réussi à en stun 1. Pas oublier celui qui est là-bas là. Il est dans la zone de la pierre si on voulait s'amuser. On va aller le chercher avec toi, parce que ça c'est des enfoirés qui esquivent beaucoup. Donc on va lui mettre du poison pour la peine. Pas mort mais il ira pas beaucoup plus loin. Bah, seulement 4 points, hein, donc le plus 1 de points d'action est au début vraiment pas utile. Ils vont se rapprocher, on va laisser venir. Ok. On fait la même. Hop. Là, on peut pas le taper, lui, dommage. On peut quand même faire un petit truc. Ah non, c'est. D'accord, ça, faut que ça soit. Tu ne vas pas le voir, là. Ici, tu vas le voir. Voilà, là, du coup, je peux venir ici. Avoiner un petit peu avec du dégât physique ceux qui ont des armures. Voilà, puisque le dégât physique est beaucoup plus efficace contre les gens en armure. Alors là, on pourrait pousser lui, mais en vrai, on a quand même pas mal de mouvements avec notre nain, donc c'est pas forcément une priorité. On va faire un peu mal ici. Donc quand on les fait descendre en dessous d'un certain niveau de PV, on voit là, ils sont blessés, si on arrive à les blesser. Ça leur enlève du mouvement et des dégâts, du coup ils vont moins loin. Donc ça permet de temporiser, c'est pas obligé de les tuer forcément directement. On peut juste les ralentir comme ça. On voit que celui-là, là déjà, il va plus loin que les autres là. Alors qu'est-ce qu'il nous reste comme point de compétence? Ici on peut mettre un petit coup de poing.
Voilà, pour tuer celui-là, faire un peu de place. Et toi... Il y a combien de vagues? Alors, il faut tenir 8 jours. Donc, il y a 8 vagues, en gros, du coup. On a des points d'action, on va les consommer, hein. Commencer à endommager un petit peu. Ceux-là, ils sont encore dans la brume, on les voit, mais ils sont dans la brume. On va mettre du poison sur celui-là. Ah, pendant une nuit? Bah, pendant une nuit, ça dépend. On sait pas à l'avance. Là, je peux être atteint, là. Ouais, non. Je vais me mettre ici. Voilà. Diagonale. En diagonale, il peut pas me choper. En fait, on sait quand c'est terminé, tu vois, la jauge de la nuit avance, là. Et quand la jauge de la nuit est pleine, ça nous donne le nombre d'ennemis qui restent à tuer. Pas de tiramis, parfait. Vas-y, cogne. Viens là, dans la mêlée, parce que t'es là pour roxer du poney. On l'a pas tué, lui, dommage. La réponse est vague et t'as du vague à l'âme. Bah après, si t'as une réponse plus précise, n'hésite pas, quoi. J'ai jamais fait particulièrement attention, hein, en vrai, au nombre de vagues dans une nuit, c'est peut-être fixe, mais en gros, là, on a vu comment ça avançait, 1, 2, 3, 6 peut-être. Alors lui, on lui a mis du poison, vu qu'on lui a mis du poison, on va lui faire 150% de dégâts avec le 1000 pattes, parce qu'on est opportuniste. Ce qui va nous permettre de bien l'avoiner. Ça manque d'une frappe météorite ou d'une grosse fireball. Alors on en a, hein, mais ça consomme du mana et au début, vu qu'on a une régénération de mana par jour qui est de 12, tu vois, typiquement on peut se dire, on peut en théorie utiliser 12 points de mana par nuit si on veut. De manière gratos entre guillemets. Là tu vois par exemple, je peux le faire un truc un peu plus puissant. Bim, ça leur met du poison et ça fait des dégâts de zone. Ouais, 5, ça paraît pas déconnant vu comment ça avançait. Mais je sais pas si c'est fixe par nuit par contre. Toi, t'es toujours dans le tas. Tu peux venir ici mettre un petit coup de poing pour le plaisir avec ton dernier point. Et puis tu vas te mettre par ici. Ah, un élite direct. Ok. Tiens, on s'est fait attraper ici. L'armure a tenu. Tu fais quoi, toi? Élite d'élite. Renvoie à l'envoyeur une valeur fixe de dégâts pouvant être atténuée. Ok, il renvoie 10 de dégâts. Alors, sur cette map, j'ai eu un paquet d'élites. Du style, ils peuvent rejouer après leur tour. Et ça, c'est horrible, parce qu'ils arrivent ici, ils jouent. Et après, pouf, ils rejouent et ils se retrouvent dans le bastion en un tour. Et là, t'es... c'est la merde. Alors, on pourrait... le gérer un peu au poison si on voulait. En plus ils ont beaucoup d'esquives ceux-là. Et comme ça le poison ça renvoie pas de PV et en plus ça le ralentit là. Il va se prendre, il a moins 2 de mouvement. Moins 4 de mouvement pendant 3 tours. Ok, donc ça veut dire qu'il va avancer à 2 à l'heure pendant 3 tours. Pendant ce temps-là, il se fera laminer. Ici on va balancer un petit peu la sauce, histoire d'aider. 16 d'esquive alors que je suis au corps à corps avec lui. Pas cool. Ah, là, il commence à avoir de l'esquive. On voit à chaque fois, là, sur l'écran à droite, là, l'estimation. Là, il y a 12% d'esquive. Et si je le touche, je lui fais des dégâts honnêtes, mais pas non plus de temps. On va essayer de taper sur ceux qui n'ont pas d'armure aussi. Ceux qui ont de l'armure. L'avantage, l'un des avantages de l'arbalète, c'est que elle prend pas l'armure, en fait. Elle a pas besoin de passer l'armure pour taper. Et ça, c'est quand même très fort. Oh, joli stun, là. Je veux taper sur celui-là. Je vais mettre un petit coup ici. Un petit coup là. Un petit coup de poing pour le plaisir. On va reculer un peu. Un petit peu plus parce qu'il peut y en avoir qui sortent encore là. Et ici.
Toi, tu meurs. On a raté. On va essayer de faire un peu de dégâts. Voilà, on l'a blessé, c'est parfait. Là. Ceux-là, ils sont très rapides. Ils ont tendance à esquiver les dégâts. Esquiver les attaques. Donc, il va essayer de se barrer en nous contournant. Donc, si on peut le ralentir un peu, c'est pas plus mal. Est-ce que ça vaut le coup de leur rebalancer une piqûre? Non, parce que ça coûte trop de points. Ok, pas de soucis. On garde nos points pour la prochaine fois. Là, on va se faire un peu plaisir parce que quand même, le poison, c'est joli à regarder. Donc lui, il se fait laminer, mais ça suffira pas. On va amoindrir un peu pour pouvoir se déplacer avec lui. Bim. Bim. Tiens, toi, t'as de l'armure. Ah non, t'es hors de portée, dommage. N'arrive pas à la stun, elle, hein. Elle a une grosse résistance. Ah oui, elle a 50% de résistance. À l'étourdissement, forcément, ça joue. Ok, faut qu'on tue ça. Là, il y a de l'armure. On cogne de nouveau, du coup. Merci. On va se rapprocher un peu, puis on va continuer de l'empoisonner, lui. Toi, t'as de l'armure. Toi aussi, il faudrait que je me mette... Ah, je peux pas shooter les deux. Si je m'avance, je peux shooter les deux. Hop. Et j'ai plus de points. Et il commence à progresser, là. Ça vaudrait le coup de mettre un petit ligotage. On va voir qui sera en vie après. Il y a lui, là, qui est planqué. Hop, voilà. Voilà, d'un coup, il y a moins de monde qui nous atteint. Toi, vu que... J'ai l'opportuniste, on va se faire plaisir. Alors là, ce serait cool. Après, on aura de la contagion qui pourront répondre la... Ils répondent la maladie. Et on le tue, parce qu'on va passer son armure. Là, on va attendre qu'ils avancent. Qui c'est qui va aussi loin? C'est toi qui va aussi loin? Ouais, mais tu vas aussi mourir du poison, donc c'est pas grave. Voilà, là c'est la fin, donc on voit qu'il en reste 34. On va finir par une petite picouse pour le fun. Voilà, excellent. Eux, ils vont aller faire le tour par là. On pourra peut-être les... Alors, je pense qu'ils vont remonter, ils vont pas marcher dans la... on pourrait... Ouais, parfait. Lui est pas mort. Ah, c'est un peu loin. On peut faire ça et arriver bien dans le tas, là. Donc là, on s'est pris des dégâts parce que on tape sur le boss. Heureusement, on a tellement de gardes, on a 10 de gardes, donc on prend pas de dégâts, ça fait plutôt plaisir. On va essayer de mettre un petit stun dans le tas, pas ouf, on va aller à la main, c'est pas grave. On est coincé, il va falloir faire de la place. Il y a eux là qu'il faudrait ralentir un peu. Mettre un petit coup de poison là. Un petit coup de poison là. Toi du coup tu peux te faufiler. Faufile-toi. Ils vont assez loin quand même. Hein. On peut mettre un petit missile magique. Bon, ouais, c'est pas utile. On a déjà dépensé beaucoup de mana avec elle. Ils vont largement être gérés. Allez, c'est bon pour toi. L'élite est mûre. C'est sa mère du poison. Sa mère du poison. Alors après, plus vite on les tue, une fois que la nuit est terminée, plus on a de bonus. À la fin de la nuit. Pour aller se déplacer là, puis après se déplacer là, et après cogne, et on cogne. Voilà. Alors, ça meurt, tout ça meurt. Il reste ces deux-là à tuer.
Il nous reste quoi? Deux poisons, c'est un peu short. Ah, on a plus de points, zut. Je voulais lui mettre un petit coup de poing, mais on n'a pas ce qu'il faut. Voilà, comme ça, poison, 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 tout le monde meurt du poison. C'est parti. Et c'est bon pour la première nuit. J'ai failli m'endormir en combattant. Alors... Ok, deux niveaux, ça c'est parfait. Donc à chaque fois, on a un score basé sur ce qu'on a géré comme ennemi et l'état de nos héros. On a eu un élite qui nous a donné 64 dispels du tout seul, quoi. Et après, on a un score sur la protection de la cité. Et si on arrive... Là, vous voyez, il y a différents niveaux de panique. Donc plus les démons dans la cité, plus il y a de panique. Et si on arrive à protéger au moins jusqu'à ce niveau-là, on a un objet gratos. Et puis après, plus on protège, plus on adore et plus on a de matériaux. Et salut Zalgear, bienvenue sur le live, ou hello Zalgear, de nos. J'espère que ça va. Voilà, et donc là on va avoir une phase de jour, qu'on n'a pas pu voir encore. Donc à chaque fois on sait à peu près d'où vont venir les attaques. On a moyen de construire des bâtiments et autres pour que ça soit, on sache de manière plus précise. Mais là déjà ça veut dire que en l'état actuel on a que 3 héros donc il y en a un qui va devoir gérer tout seul. Donc je pense que on va recruter un nouveau héros. Un peu mal aux fesses vu que tu viens de reset ta progression sur le jeu. Ah oui, ah bah oui. Enfin après si tu l'as fait, je l'ai fait une fois ou deux déjà pour le plaisir de repartir à zéro, mais si c'est un misclic, ça finit un peu le cul. Je te dis tiens c'est quoi ce bouton? Ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, là on a un docteur en chirurgie, très fort en critique, moins de résistance et du dégât de poison, ok. Et c'est une naine. Là un prophète, ok, il va monter d'XP assez vite. Moins un de mouvement, mais c'est une humaine donc elle a pas de malus particulier, et des dégâts physiques et moins de mana, mais c'est correct quand même hein. Ah parce qu'elle a un équipement qui lui redonne, ok, et elle a une potion d'invisibilité. Vu que tu n'as pas joué au jeu depuis longtemps, tu préfères reprendre de la base. Bah c'est, en gros, c'est les raisons pour lesquelles je l'ai reset moi aussi. Hein. Quand t'as pas lancé le jeu depuis longtemps, puis tu te dis tiens, il y a eu plein de nouveautés et tout, allez hop, je vais relancer le zéro. Laurentia pourrait être pas dégueulasse. Hein. Elle arrive avec une hache. Ce qui est pas mal vu son build. Et elle a quoi? Ouais, elle est pas mal. Franchement, elle est pas dégueu. Ici, on a quoi? Berserker. Du mana dans l'armure là, waouh! On va pas en faire un cac de celle-là. Hein. Elle a une potion de soin, 13 de vie. Ouais, ici on a du poison potentiellement, herboriste qui fait moins de dégâts de physique, le sang démoniaque et un de mouvement en plus, et une potion de rapidité. Ok. Et là, du poison également, enchanteresse, dégâts magiques, moins 12 de précision. Ah, ça, c'est hyper mauvais. La précision, je trouve que c'est l'un des trucs les plus chiants à compenser. Quand on n'a pas de dégâts ou de critiques, ça va. Quand on n'a pas de réduction de résistance, c'est un peu chiant, mais on peut faire avec. Par contre, la précision, quand on rate les ennemis, c'est tellement cher de rater un ennemi. Donc, elle, non. Je pense que Laurentia serait assez sympathique. Elle va faire un tank assez intéressant. Allez, rejoins-nous, Laurentia. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, à chaque nuit, on a des tas de cadavres qui peuvent apparaître, qui dépendent de là où on a tué les ennemis. Plus on a tué d'ennemis sur une case, plus il y a de chances qu'un cadavre apparaisse. Et après, si les ennemis sont vraiment très nombreux ou qu'il y avait des élites, on peut avoir des tas de différents niveaux. Donc là, par exemple, on a un tas de cadavres. Et là, on a un tas de cadavres plus. Enfin, ça, c'est même juste un cadavre, techniquement. Et du coup, sur ces cadavres, on peut ramasser des ressources. Et sur les gros tas de cadavres, on peut ramasser des objets. Donc je pense qu'on va piller celui-là. Mais l'avantage après, c'est que... Alors, il reste qu'une seule nuit. Mais des ennemis arrivent là... Bon, là, ça sera pas le cas parce qu'ils arrivent des côtés ici. Mais ils seront bloqués et devront les détruire, les ennemis. Ça bloque les ennemis aussi. Enfin, ça bloque nous-mêmes aussi, d'ailleurs. Mais ça bloque le passage, quoi, en gros. Donc ça permet d'accorder une petite défense gratuite aussi. Et j'ai vu que... Alors je crois que celui-là il a été ajouté par le DLC, je me demande.
Il y a un présage, je crois. Un nouveau présage. Achetable. Voilà. Qui fait que quand ils disparaissent, ils nous donnent des ressources automatiquement. Et ça, c'est quand même super fort. Et moi, j'étais en train de travailler sur ça. Donc après, alors là, ça, l'oraculum, c'est le petit côté roguelite du jeu, c'est-à-dire qu'avec l'essence impure qu'on récupère quand on tue des ennemis, et en faisant certaines actions, on va pouvoir débloquer d'autres choses qui vont être débloquées pour toutes les parties suivantes. Et par exemple, bah, on peut avoir plus de gains de niveau rare, des nouveaux pièges, des nouveaux objets, des nouvelles armes, des armes de meilleure qualité, etc. Et là, moi, je travaillais du coup sur le présage de célérité qui permettrait de remplacer mon présage qui donne un mouvement par un présage qui donne 3 de mouvement pour 2 points au lieu d'un point. Ça me paraît pas mal. J'aime beaucoup le mouvement. Et salut Kaiser, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Alors, en termes de bâtiment... on pourrait faire le fabricant d'armure... On n'a plus assez pour la voyante, sauf si on va chercher des trucs à détruire. J'ai envie de faire un fabricant d'armure. Donc ça, c'est des bâtiments qui, toutes les nuits, vont nous fabriquer un objet. Bah, pas gratos parce qu'on l'a payé, mais qui vont nous fabriquer un objet. Donc plus on le fait tôt, mieux c'est. Ce qui est bien à faire tôt aussi, c'est le puits de mana. Parce qu'il augmente le mana max de nos héros à chaque jour aussi. Tac tac tac, 35 de thunes, il nous reste 26, on pourrait détruire un petit puits. Hop. Et comme ça on a assez pour faire un petit puits de mana. Voilà. Et en plus gratuitement il nous permet de redonner 6 de mana à un héros à qui il manquerait un peu de mana, par exemple lui. Alors on va aller voir un peu... Laurentia. Donc Laurentia niveau 1, une prophétesse humaine du coup. Plutôt physique, résistance garde. Du mouvement, de la régène en moins, ouais. De l'armure du critique. De l'isolation, avec une hache de l'isolation c'est pas forcément ouf. Et la potion d'invisibilité qui donne de l'esquive, pourquoi pas. Par contre tu vas donner ça à notre critiqueuse je pense. Ouais. Stanislaus. En plus, le petit bonus d'XP sur le niveau 1, ça fera pas de mal. Alors, si vous voulez des persos, n'hésitez pas. Hein. On a Alastre hein, qui s'est renommé, mais il y a d'autres places. Hein. Alors, tac, tac, tac. Voyons les objets. La récompense de la nuit. Ouh, le fusil en argent, là. Qui fait des dégâts de poison. Soins reçus. Du mana de l'opportuniste. Pas dégueulasse. Là, on a quoi? Charme de tortue chanceuse. Waouh, le rebond de propagation, régène de vie, dégâts magiques, chance d'étourdissement, très très bon, très très bon aussi. Le bâton de puissance à côté, il fait un peu pâle figure. Hein. Ok, voyons voir ce qu'on a dans notre tas de cadavres. Un arc court, beaucoup de bonus de mana, pas mal. Une armure lourde qui donne des bonus de dégâts de poison, ah, intéressant. Et le tome des secrets de l'adepte, hein, qui est très fort aussi. Alors si on prend Gaël, notre empoisonneuse. Nomme-moi où tu veux, fais de moi ton perso. Nomme-moi like your French girl, Ardarin. L'armure lourde, on garde notre moins 1 de mouvement, ça nous donne plus d'armure, plus de garde. Ouais, c'est pas forcément hyper pertinent non plus. Le tome des secrets pourrait être pas mal hein, pour utiliser nos points d'action plus efficacement et bien booster le mana. Ouais, on va prendre ça. Et ici, le rebond de propagation il me fait plaisir, mais un gros fusil comme ça qui donne des dégâts de poison en plus. Le fusil j'aime beaucoup, il est très fort. Je vais prendre le fusil, fusil d'argent en plus. Alors, quelqu'un de badass. Alors, est-ce que on peut te donner Laurentina, Alastre, déjà le corps à corps. Si t'aimes les bouboules de feu, on peut te donner la mage. Oh, c'est tout toi, ça. T'as exactement les mêmes dents.
Avec l'argent des abonnés là. Voilà. Du coup, tu prends le tome des secrets. Voilà. Hop. Est-ce que je te donne l'amulette de cristal pour avoir plus de points d'action vu que t'es la seule à avoir deux armes, enfin le seul maintenant. Alors, est-ce que t'as la boule de feu? Ouais, en plus t'as la boule de feu là avec la... le tome des secrets. Et Stanislaus, tu vas avoir le fusil en plus de ton arbalète. 32 critiques, très très bien. Et Laurentia et Alastre, pour l'instant, vont faire avec ce qu'on a. Alors, c'est parti pour les niveaux, du coup. Donc à chaque montée de niveau, on a une chance d'avoir des montées de niveau peu courants, des montées de niveau rares. C'est pas toujours intéressant de prendre les montées de niveau rares, hein, ça dépend. On peut relancer également. Donc on peut aller voir les autres montées de niveau qu'on a eues. On a eu du dégât à distance qui est nul, on a eu du dégât de poison, c'est pas du tout ouf. La régène de mana est pas mal. La puissance critique, c'est pas son tri. Plus de mana. Non, 7 de garde, je pense que c'est très bien pour lui. Il a déjà 10. On n'a pas la garde épineuse, c'est vraiment dommage. Mais n'empêche que on a vu qu'il pouvait taper l'élite sans prendre de dégâts, ce qui est quand même hyper fort. A chaque montée de niveau, on a une montée de niveau primaire et une montée de niveau secondaire. Donc notre deuxième montée de niveau primaire. Des dégâts. Ouais, des dégâts quand même. Allez, des dégâts. Sachant que le max qu'on peut monter, c'est 500%. Autant dire que c'est pas tout de suite. Alors, les secondaires. La régène de mana, je pense que ça va aider, il va falloir qu'on claque du mana un moment. L'inertie, alors il y a pas mal d'armes de mêlée qui font de l'inertie, mais toi t'en as pas. Cette montée de niveau est pas ouf. Ah, du dégât physique brut. Allez go, on prend. Comme par hasard, toi t'as pas de butin, mais ça va venir, t'inquiète pas. Alors le sprint me plaît pas trop, je pense qu'on pourrait prendre la moisson, la visée stable, le bodybuilder il est bien, le vampire aussi. Isolé, c'est pas trop le trip. 15 de critique, bof. Isolé non plus. Non, cette ligne là va pas trop te servir. Par contre, ça peut aider ça. Approvisionnement, la baliste humaine aussi. Protection des arrières. Plus d'armure. Le mouvement et les dégâts. Je pense qu'avec la mêlée, on a moyen de toucher pas mal d'ennemis. Encouragement, mouet, ça non. 3 de garde, tous les 2 de mana dépensés. Ouais, pas mal. 2 de mana, ça va vite. Hein. Est-ce que, Alas, on te met admirer ses muscles? Bon, ça sera pas tout de suite, hein, mais ça peut être rigolo. Ça, c'est pas du tout ton trip. Pourquoi je mets ça? C'est absolument pas ça. Tant que c'est pas déplacé durant ce tour, toi, tu vas te déplacer. On va te mettre ça, alors plus d'armure de torse, ça voudrait dire on enlève quand même pas mal d'armure. Donc éventuellement les petits boosts d'armure seraient pas déconnants. On te le dit souvent qu'on va admirer tes muscles, bah parfait. Du coup on va prendre de l'armure pour commencer. Alors 5 ennemis, est-ce qu'on touche vraiment 5 ennemis là? Une plus 8, là on n'en touche qu'une. Là on a 5 rebonds de propagation donc ça marcherait. Et là on touche 5 cibles si on arrive à bien le placer, donc ça pourrait s'entendre. Et avec ça, ouais on touche pas mal de monde aussi, donc on pourrait directement prendre ça. Les dégâts physiques aussi. Là on a déjà 5 de dégâts physiques en plus. Il va falloir qu'on vise du coup augmenter tes PV et augmenter ta régène de vie. Allez go. Alors, Ardarin. Alors, la garde, pour le coup, pas hyper utile. Les dégâts, pas mal. Hein. Très bon boost de dégâts, de l'esquive. Alors, on n'arrivera pas à éviter de se faire taper. Hein. Il y a toujours des moments où on se fait taper, mais je pense que ça va quand même pas être le focus pour toi. C'est en secondaire, t'as quoi? Du poison, excellent. Toi, on va partir sur du poison, hein, clairement. Alors, plus de mana, plus de mana, ouais, ouais, plus de mana, plus de mana. Donc on va prendre les dégâts de poison, clairement. Les dégâts magiques, un rebond de propagation, oui, bien sûr. Plus de rebond.
Tac, tac, tac. Donc, la moisson obligatoire. La visée stable, pourquoi pas. Lorsqu'on remet poison sur une unité qui est déjà empoisonnée, on met étourdissement, pourquoi pas. Ça, c'est pas forcément ouf pour toi. Ça peut être l'épidémie absolument nécessaire. On n'a pas la contagion de base, dommage. Ah si, elle est là. Mettre la contamination. Ça, c'est très fort aussi. Celui-là, je suis pas sûr. Le saut de mouton. Le canon de verre, bof. Tu vas critiquer, mais ça va pas être ton trip. Ça, par contre, c'est de la obligatoire. Pour chaque altération négative de type différent, 25% de critique. C'est pas mal, hein. Je pense qu'on donnera ça. Ah, elle a le contre-épineux, elle, mais. Enfin, lui, du coup, mais on va pas s'en servir. Bon, de toute façon, pour le moment, le poison. La moisson, je pense que c'est nécessaire. Les dégâts augmentés selon le mana, pourquoi pas. Une petite contamination manuelle, hein, c'est quand même vraiment pratique au début. Hein. Ça veut dire que ça ne fonctionne que si on remet du poison sur des unités qui sont déjà empoisonnées. C'est bien, mais c'est pas non plus monstrueux. On va prendre ça. Ça, c'est quand même très utile. Stanislaus! Si tu contamines, ça veut dire qu'ensuite tu auras un bon argument pour soigner tout ça par le feu. Exactement. Tout à fait. Très très bon état d'esprit. Alors lui, c'est notre critiqueur pour le coup. Est-ce qu'on peut tirer un critique? Ouais. En plus, l'armure, c'est pas ouf. On va prendre le critique. Bah tiens, on va reprendre du critique. La précision était pas mal aussi, mais déjà 41% de critique, là on est bien. Bah du coup de la puissance critique me paraît pas dégueulasse. Une petite régène de mana ça pourrait être bien. Encore plus de puissance critique. Ouais, allez go. On se fait plaise. Stanislaus il va avoiner là, 205 de puissance de critique. Du coup niveau de talent, mon cher, toi il te faut ça absolument. On va te donner ça. Une unité avec toute sa vie à attaquer, le critique, tu vas prendre ce truc là. Ça bof. Ça pourquoi pas. Deux points de portée, pourquoi pas. Ça, je pense qu'on va te le mettre. Parce que ça a quand même 9 de portée, c'est plutôt puissant. Toutes les 12 unités tuées à une distance de 4 ou plus de couverture de compétences, c'est pas mal. En termes de gestion de mana, on va te donner ça. Rechargement rapide, ouais, bah ça, obligé. Ok, donc déjà ça et ça, voilà, on passe à presque 60% de critique. Par contre, s'il se fait toucher, c'est le décès. C'est le décès instantané. Là, on est vraiment sur du gros gros canon de verre. Hein. Bon, il a une armure correcte pour tenir un ou deux coups, faudra qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait avec. Ok, on est pas mal déjà sur les héros, sur la ville, maintenant les défenses. Alors le problème de cette ville, c'est qu'elle arrive complètement en ruine. On n'a pas du tout assez pour réparer, donc il va falloir qu'on se concentre sur les trucs qui sont en face de là où nos ennemis vont arriver. Il faudra qu'on protège la taverne également. Bon après, là, le truc, c'est que vu qu'il y a une faille ici, ils vont arriver soit par là, soit par là. Et donc même s'il y a une petite avancée là de plaine, ils vont essayer de se répandre vers l'intérieur. Donc je pense qu'on va devoir mettre quelques petites défenses quand même. Pour les bloquer. Pareil ici. Là, alors là, il y a ça. Si on pouvait les canaliser éventuellement vers la pierre, là, ça pourrait être pas mal. Donc là maintenant, on sait. Hein, on saura à l'avance ce que deviennent les pierres. Là, on a des très belles pierres qui font du poison. La pierre qui fait de la glace, qui enlève du mouvement, du coup. Et ici, on a zéro pierre. On a des petites palissades qui vont pas tenir longtemps, mais on n'a pas de pierre. Ok, bon, c'est pas mal, je pense. Maintenant, qui défend quoi? Qui défend quoi? Ici, on va mettre lui, parce qu'il va être capable de tirer sur ces deux coins-là, même s'il y a les saloperies qui gênent un peu.
Et je pense que du coup, on va pas mettre Alastre, parce qu'Alastre, il peut pas sauter là. Il faudrait qu'on le jette. Donc on va mettre Alastre plutôt ici. Soutenu, je pense, par Ardarine. Ouais. Soutenu par Ardarine. Et là, on va mettre Laurentia à la piou-piou. On va voir comment elle s'en tire. Soutenu par Stanislaus, qui est quand même très efficace. C'est parti. Voyons voir où ça arrive. Ah, il y a des coureurs déjà. Ça fait pas plaisir. Et ici, pareil, il y a quelques coureurs. Hop, on avance un peu. Alors là, on pourrait direct faire un truc assez sympathique. Celui-là, Ardarine, s'il te plaît, merci. Là, on a une belle piqûre à faire. Est-ce que j'ai un code promo pour le jeu de base? Malheureusement, non, Alastre. C'est un pur indé. Il est sur aucun store autre que Steam. Donc, je n'ai pas de code pour celui-là. Désolé. Ok. Bon, déjà, là, on a bien géré. Si on remet du poison, ça a piqué un peu, mais ça va. Ce qui serait pas mal, c'est de mettre là-dedans. On va avancer un peu avec toi. Voilà, on étourdit. Donc là, vous voyez, quand on pète la pierre, ça met du poison sur tout le monde autour. Et beaucoup de poison. Donc, ils sont globalement décédés. On va les taper là. Mettre un petit caillou ici. Un petit coup de poing sur toi pour le plaisir. Voilà, comme ça tu décèdes. Et on va se replacer. Ici, on va tuer ceux qui ont de l'armure, parce que je les aime pas. Alors là, attention, parce que j'ai plus un de portée de compétence grâce à ma visée stable. Si je le bouge, elle va disparaître. Donc là, je peux toucher jusqu'ici. Si j'avance d'une case, je peux toujours toucher que jusqu'ici. Faut faire attention à ça avec cette compétence. Elle est très forte, mais elle peut être gênante. Ce front-là, c'est fait. Alors là, du coup, ce qui m'emmerde, c'est que toi, t'as une hache et que la hache, c'est vraiment pour toucher des ennemis en masse. Donc ça va être un travail pour toi, du coup. Tu vas empoisonner. Ouh, poison, excellent. Et tu vas aller gérer ce côté-là. Ah, t'es trop loin pour lui. 52% d'esquive, on va quand même tenter. Oh, excellent. Très très bon, ça. Mais on est beaucoup trop loin. On peut utiliser ça. Ah, le fusil qui fait hyper mal. Alors il coûte cher, hein, les compétences à 2 et tout, ça coûte cher, mais ça fait tellement mal. Lui, il va pouvoir courir jusqu'à nous et nous taper. Il fait combien de dégâts? 22-28. Donc il va faire deux fois les dégâts, comme c'est du physique, sur mon armure, mais on a 69. Donc on devrait tenir. On devrait tenir, on devrait tenir. Alors toi, t'as quoi déjà? Le saut. Le coup horizontal. Donc il faudra que je le vienne. Lui, il va crever du poison, mais pas tout de suite. On va lui mettre un petit coup de poing. On va sauter là. Et après, je peux sauter ici. Hop là. Mettre le gros coup de hache des familles. L'attaque tourbillonnante, est-ce que ça vaut bien le coup? Non. On va se redonner un point. Et on va sauter. Voilà, on se replie un peu. Pas trop de prendre de risques au début, hein. C'est quand même le petit piou-piou lui. Alors, il te reste toi, t'as un point, mais bah tu le garderas pour le tour d'après. Pas de soucis. Hop. Ah oui, il a été blessé donc il a pas avancé. J'avais oublié, c'est vrai que ça, faut que je le prenne en compte. J'avais peut-être pas besoin de taper sur lui du coup. Alors. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Le petit coup. Je suis trop loin, dommage, il va falloir que j'avance. Boum. 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 Voilà, il nous reste un gros coup. Alors là, elle va pouvoir nettoyer ça avec sa hache.
Gale-toi. Voilà, cogne. On enlève un petit peu de mouvement. J'ai pas assez pour faire une petite attaque tourbillonnante, c'est dommage. Donc on va se replier. Lui, il va courir loin, là. Mais on l'avoinera après. Est-ce que je peux le shooter? Non. Malheureusement, il est dans l'angle mort des statues. Du coup, il nous reste 2 points. Je peux envoyer un truc comme ça, éventuellement. C'est pas ouf. Là, pareil, je peux rien faire de très utile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fortifiant. Parce que ça, c'est important d'utiliser quand on a l'occasion, même si on compte pas prendre de coups, parce qu'on peut débloquer des hauts faits en utilisant ce genre de compétences. Non, j'ai pas du tout géré l'autre côté. Excusez-moi, on se concentre, voilà. Je l'ai pas tué, dommage. On peut mettre un beau petit truc comme ça, là. Voilà, ça fait le taf. Il y a eux qui essaient de se faufiler, il y a lui aussi qui essaie de se faufiler. Comme ça, tu nous embêtes plus. On voit que là, qu'il y a un peu de poison. Excellent, on a tué le coureur. Alors, ici. On est assez proche. Raté, dommage. 5% de chance de skiff pourtant. Ils sont encore fragiles, donc ça c'est cool. On va endommager un peu là. Et donc toi du coup, tu peux te déplacer par ici, ça permet de cogner là. Tap. Ok, il ne nous reste plus qu'un point, on va lancer le petit renforcement. Et on va s'appuyer là-dessus. S'ils vont arriver jusqu'à la barricade, mais c'est pas non plus grave. Et là on est pas mal. Un petit coup comme prévu. Alors toi, 18% d'esquive là, 3% seulement. Allez. Hop là. Alors là, ce que j'aimerais bien, c'est toucher les deux si je peux. Voilà, parfait. Un petit poison là, ça nous laisse 2 points pour utiliser du fusil à longue distance sur toi. Et on recule. Alors là, tac tac tac. On peut mettre un petit coup de hache là. Après on saute ici. Et on essaie de tuer celui-là. Ah, raté, dommage. De le blesser, voilà, pour qu'il avance pas trop. Très bien. Là, il y en a un qui essaie de se faufiler en loose dé, là. Voilà, il ira pas plus loin. Ici, on va mettre une petite propagation. Excellent. Lui, il a un bouclier. Donc il nous bloque la ligne de vue. On peut pas taper sur les ennemis qui sont derrière à cause de lui. C'est extrêmement désagréable. Du coup, on va faire un écrasement outrancier. Voilà. Oh, le petit salaud. Il nous reste 1 point. On peut aller tuer celui-là. Il nous restera 9 points de mouvement. Ça nous permettra de nous replier. Largement. On va tuer... ici. On peut tuer celui-là, comme ça il nous bloquera plus la vue. Pareil pour lui. Et un petit snipe sur celui du fond. Ah, on a à peine entamé son armure, dommage. Alors là, il y a un sprinter ici qui pourrait avoir envie de se barrer par là-bas. Donc dans le doute, on va aller se mettre par là. On verra après si c'est utile ou pas. Donc on est déjà, on est déjà à la fin de la vague. Hein. Il n'en reste plus que 63. Oh, et toi, t'es arrivé ici.
Il en reste 60 à tuer. Alors on va faire un petit truc du plaisir pour Arnarine. Bim! La petite foudre. Du coup... On va là. On va là. Tu suis ici. Ceux-là sont trop loin, dommage. Là on peut mettre un coup dans le tas, non on a pu mettre un petit coup de poing. Par contre on peut venir ici et cramer un peu de magie là. On n'a pas cramé beaucoup de magie avec notre, notre corps à corps. Unlimited power! Presque. Après on peut faire une petite boule de feu, est-ce qu'on a un bon endroit pour une boule de feu? C'est pas mal ici. Bim! Tu es celui-là. Il y a lui encore là qui est bien. Qui est pas trop endommagé. Mais je m'inquiète pas trop. On va essayer de les attirer autour de la pierre en se mettant là. Sur ce flanc, sur ce flanc, sur ce flanc. Toi t'as plus personne à gérer, semblerait-il. Du coup, tu peux nous balancer une petite grenade. Voilà, pour les ralentir et virer leur esquive. Non, leur précision. Et après, tu te rapproches. On va essayer de s'occuper de ceux avec de l'armure. Un petit poison, on verra après. Là, il y a eux là qui sont désagréables. On va sauter. Si on fait une attaque tourbillonnante, c'est pas mal, mais ça serait mieux si on était là. Oh, on a raté cela. Je peux pas sauter par-dessus, je suis trop près, il y a lui qu'il faudrait tuer. Alors lui il est bloqué, lui par contre il peut encore courir. On va aller se mettre devant, tant pis, et on va se renforcer. Toi, un peu ici, voilà. On a baissé beaucoup leur précision, il y a des bonnes chances qu'ils touchent pas la le mur. Ah, dommage, il a touché. Avec 42% de précision en moins. Et donc là, comme prévu, ils sont bien autour de ça. On fait 101, 130, on va le tuer. Ah non, on est trop proche, juste. Voilà, le gros poison des familles. Du coup, il n'y a plus qu'à sniper ceux qui restent. Quoi là-bas? Toujours compliqué de passer la magie. Passer l'armure avec la magie. On va commencer à courir par là-bas au cas où. Donc là ils sont tous morts, hein. Il y en a pas un qui traîne dans un coin. Toi t'as bien le crâne. Donc tous ceux-là sont morts, ok. C'est parti. On va courir avec le petit nain. Et il faut s'occuper de ça. Alors ça, ce serait plutôt un travail pour toi. 42% d'esquive, ça passe. Parce que là, du coup, toi, tu pourras aller ici. Mettre un gros coup de hache, aller ici, mettre un gros coup de hache. Aller ici, mettre un gros coup de hache. Et déjà, on a nettoyé. Je vais me rapprocher pour... Voilà, qu'il y ait moins d'esquive. 8% d'esquive, c'est mieux. Bim. Bim. Et bim. Ok, parfait. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Et ils sont tous morts. Encore, j'en veux encore. Pas d'élite cette fois. Donc à chaque fois, on a des points qui dépendent de ce qu'on a fait. Je vais pas montrer, mais... Le fait de mettre des coups de poing, le faire de mettre des altérations sur au moins X ennemis, infliger des dégâts avec opportunisme,
Qu'est-ce qui rapporte? Ça, c'est ce qu'on a tué. Survivre à la nuit, forcément. Et après, les petits bonus qui peuvent devenir importants. Hein. Là, ça, 12, ça semble pas tant, mais ça peut devenir important. Hein. Et donc là, je sais pas si vous avez vu, mais la brume avance. Petit à petit, au fur et à mesure des nuits, la brume avance. Attends, on a eu niveau de tas de cadavres, c'est léger. Et plus elle avance, bah moins on a de place pour se placer, pour arrêter les ennemis. Les ennemis arrivent plus près du bastion, plus vite. Donc pour ça, on va aller construire direct. On ne pose même pas de questions. La voyante. La petite voyante qui nous permet, si on a 3 pécores, de repousser la brume. Et pour l'instant, on n'a pas 3 pécores. Donc on va devoir trouver un moyen de faire des sous. On a accompli un haut fait. Excellent. Qu'est-ce donc? On a débloqué les variations d'arbalète. Donc on n'aura plus l'arbalète en bois. Et du coup, on pourra avoir une arbalète en mithril et une arbalète en adamantine qui apparaissent. Excellent. Le plus 1 de multicoup de l'arbalète en adamantine, là, il fait bien plaisir. Hop. Et donc ici, on a assez pour aller débloquer le présage. Donc ça nous servira... On a même pas assez, à peine. Ça nous servira pas pour cette map-là. Mais ça pourrait être utile plus tard. Donc, on a une récompense de la nuit. Ouh, un gros bâton druidique. Un de portée de compétence. Ah, ça, il fait plaisir. Ça, c'est quoi? Un rebond de propagation, plus de poison, c'est pas mal aussi. Hein. On a quoi déjà avec toi? Je t'avais donné l'amulette qui te donne plus de points, ouais. Ardarine, mais le bâton est pas mal. Après, faut pas qu'on fasse que booster les mêmes. En termes d'armure. Du dégât de poison, de la puissance critique, ok. Dégâts physiques, dégâts magiques, moins de précision, ah. Le homme en acier, de la garde et du mouvement, ça peut être bien ça. Non, toi il faut qu'on a dit qu'il faut qu'on booste ta vie à l'astre, donc c'est pas utile pour toi. Le DLC apporte quoi du coup? Alors le DLC apporte en gros cette ville là, la nouvelle ville qu'on est en train de faire. De base il y a 5 villes, donc une 6ème ville, avec des nouveaux gameplay et tout. Et le fait de bah, pouvoir jouer des nains, d'avoir la possibilité d'avoir des nains dans tes parties. Alors ça c'est du plastron qui donne de l'esquive, c'est pas trop son trip à l'astre l'esquive. Par contre, l'armure, avec de la régène de vie... De la régène de vie, ça veut dire plus d'armure. Ouais, on va quand même blinder un peu plus à l'astre. Et là, bah, je pense qu'on va quand même prendre le bâton. Hein. Le bâton druidique de l'adepte, il est quand même très très fort. Donc à l'astre, tu prends ton pantalon de mage de glace. Et le fait de changer de ville change quoi au gameplay? Alors chaque ville a sa map particulière avec ses particularités à défendre, un terrain différent, des choses différentes sur la map à faire. Et à la fin de chaque ville, en fait, le dernier jour, chaque ville a ses monstres aussi, il y a des monstres qui ont plus de chances d'apparaître sur chaque ville. Et à la fin de chaque ville, quand tu as réussi à tenir, le dernier jour, il y a un boss qui apparaît et le boss dépend entièrement de la ville. Il est complètement, différent, avec des gameplays différents, il faut trouver des manières différentes de le tuer. C'est un jeu où il faut s'attendre à refaire. Hein. Déjà, c'est très dur du premier coup d'arriver à la fin d'une ville, d'arriver au dernier jour d'une ville, tant qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, comment la ville se gère, etc. Et même une fois qu'on arrive au boss, réussir à tuer le boss du premier coup, c'est quand même très tendu. En général, il faut 4-5 tentatives pour réussir à faire une ville, quoi. Ça dépend des villes et de tes compétences, mais c'est une assez bonne moyenne, je pense. Et chaque ville a un nombre de nuits différentes aussi. Ouais, y a des villes où il faut tenir un peu plus que 8 jours, des fois moins, ça dépend des villes. Et du coup, ça veut dire aussi que ça va jouer sur le nombre de niveaux que tes personnages peuvent avoir, le nombre de bâtiments que tu vas pouvoir construire, tes défenses, etc. Puisque plus t'as de nuits, bah plus il y a d'attaques, mais ça veut aussi dire que plus t'as de loot. Plus t'as d'ennemis que tu gagnes, plus que tu tues pour gagner des niveaux, etc. Sachant que c'est progressif, hein. Donc au début t'as qu'une seule ville, une fois que t'as réussi la première, ça débloque la deuxième, tu dois réussir la deuxième pour débloquer celle d'après, etc. Donc chaque ville, ça progresse sur une carte, si tu remontes au tout début du live, tu la verras. Et du coup, tu ne peux réussir à faire la ville d'après que si t'as réussi les villes d'avant. À l'exception du DLC, la ville du DLC, histoire que ça soit pas quand même abusé,
se débloque dès que t'as fini la première ville, qui est en gros la ville d'essai, quoi. La ville de test. Du coup, là, je pense qu'on va vendre ça. Si je vends ça, j'aurai 26. C'est combien une maison? Ah, c'est 30, c'est chaud. Là, en gros, il me faudrait 3 mecs pour pouvoir repousser la brume. Mais j'ai pas assez de sous pour ça. Et si j'utilise un personnage pour. Parce qu'en gros, pour gagner des paysans, enfin des habitants, des ouvriers, soit j'améliore une maison existante, ça me coûte 40. Soit je construis une nouvelle maison, ça me coûte 30. Donc, a priori, plutôt la nouvelle maison. Le problème, c'est d'atteindre 30. Après, si j'équipe mon deuxième pantalon, j'aurai peut-être un autre objet à vendre, mais ça sera sans doute pas fou. Bon, voyons voir déjà ça. Ça donne du mana, de la garde et de l'armure, et de la régène de vie aussi. Donc toi, on t'a déjà mis ce qu'il faut. Un peu de régène de mana, éventuellement. Ouais, c'est mieux, hein. Allez, on va mettre ça là. On perd un peu en précision. Depuis hier, tu as la quatrième ville de Runberg Aurélien. Bah écoute, bien joué. Moi, pendant mes essais, j'étais jusqu'à la dernière nuit, mais je l'ai pas montré pour pas spoiler le boss, et j'ai pas tenu l'avant-dernière nuit, donc de toute façon, j'ai pas vu le boss. Bon, on va vendre, mais il va nous manquer un PO. Et salut Bigref, bienvenue sur le live. Et ouais, Runberg est pas simple, hein. Il est pas simple à tenir. Tac tac tac, il nous manque un PO. Faudrait que je vende de l'équipement, parce que là ça va être tendu quand même la brume aussi proche. Bon, on peut le gérer, je pense, ils viennent que d'un seul côté, donc on peut le gérer en blindant ce côté-là. On va voir comment on peut blinder ce côté-là et on verra après ce qu'on peut faire. Par contre, on va arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le live, c'est le moment, je bois un petit coup. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. J'espère que ce premier épisode des deux premières nuits vous a plu. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!